Ce dimanche 5 juin, le village de Tintru, dans les Vosges, a rendu honneur à un enfant du pays. En effet, le maire a décidé de mettre à l'honneur sur le monument aux morts de la commune, l'adjudant-chef Henault, qui servait au 35e régiment d'infanterie, lorsqu'il a perdu la vie en 2010 dans le cadre d'une opération extérieure en Afghanistan. À Tintru, n'oublierons pas Hervé Henault, qui a sacrifié sa vie pour ses valeurs. Il restera un enfant du pays toujours disparu. Lors de cette cérémonie, le régiment était représenté par son chef de corps et une délégation de gaillards. Je suis extrêmement fier de voir son nom inscrit sur le monument aux morts de son village natal. Je remercie naturellement le ministère des anciens combattants et monsieur le maire du village de Tintrux pour nous avoir invités à participer à cette cérémonie. C'est un moment exceptionnel pour le régiment, pour la famille de l'adjudant-chef Henault. Un soldat est mort, un soldat est honoré dans son village. C'est le devoir de mémoire de notre pays. Un soldat pour moi, un soldat qui soit en Afghanistan ou en France, Il est mort pour la France. C'était logique de le mettre au monument aux morts. Déjà, c'est très touchant. Là, ça fait remonter beaucoup de souvenirs. Et puis, on voit qu'il y a quand même des localités et puis des villages qui se démènent, qui sont derrière nous. L'adjudant-chef Henault a maintenant rejoint ses frères d'armes morts pour la France lors des précédents conflits.